L'acte est symbolique. La communauté Jamaat islamique Ahmadiyya offre des moutons pour les personnes vulnérables. Ce geste est fait pour permettre aux plus pauvres de fêter aussi la Tabaski. C'est notre tradition que chaque année, lors de la fête de Tabaski, nous partageons la joie de fête avec les couches démunies, les pauvres démunies, les couches vulnérables. Et voilà cette occasion que nous avons amené ici dans cet après-midi pour leur présenter quelques moutons pour qu'ils puissent aussi envoyer une institution qui sont à leur tutelle, sur leur tutelle, sur le ministère, et notamment les personnes de troisième âge, les handicapés et les orphelinats qui sont ici à Cotonou. C'est avec plaisir que nous recevons les dons et soyez rassurés de ce que les dons seront envoyés aux cibles indiquées, à savoir les personnes de troisième âge, les enfants les plus vulnérables, les enfants handicapés, surtout ceux qui sont à Akasato. Vous n'avez pas oublié toutes ces personnes, tous ces enfants qui ont besoin de partager la joie de la Tabaski. D'autres ménages déshérités attendent leur tour pour avoir un mouton. C'est bien la promesse de la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin.